Le frère Irénée Cédric. Ça, c'est un Européen. Où est le nom alors? Il n'y a rien. Il n'y a pas de Awono. Il n'y a pas de Nanchuang. Il n'y a rien. C'est le frère Irénée Cédric. Il est des Seychelles et de la Martinique. Ah, acclame mon fils et je l'aime trop. Il dit, je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce manifestée dans ma vie. En effet, après avoir terminé ma formation en 2018, je me suis lancé dans la recherche d'un emploi. J'ai postulé pour intégrer plusieurs structures agricoles du pays, mais ma demande était toujours rejetée malgré toutes mes connaissances et les personnalités de rang élevé qui parrainaient mon dossier. Le Cameroun et le parrainage. Ah, et le pays du parrainage. J'ai ainsi eu pour parrain jusqu'aux membres du gouvernement, des présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux, mais ça n'a jamais abouti. C'est alors qu'un proche qui connaissait ma situation m'a parlé de cette église. Dis à ton voisin, parle aussi à quelqu'un. Et c'est sérieux, hein, bien-aimé. Et m'a invité à prendre part à un culte ici. Il dit, j'ai honoré l'invitation et par la suite, j'ai continué à assister aux différents programmes de cette église à cause des divers enseignements et de tout ce que je voyais le Seigneur faire. Le Seigneur a alors commencé à se manifester en m'ouvrant les portes et en me donnant des opportunités au-delà de mon imaginaire. Si tu dis Amen, c'est ce qui t'arrive. Et il dit, j'ai été recruté et affecté au service d'études et de planification d'un organisme mondialement reconnu avec pour charge de planifier les projets du dit service en tant que chef d'unité. Il a donné le nom du fonds. Ben, c'est puissant. C'est Green Energy Fund Africa. Amen. Et il dit, le Seigneur a réellement mis fin à ce cycle d'échecs dans ma vie. Il a relevé ma tête, a essuyé toutes mes larmes et je viens le cœur rempli de joie rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Dis à ton voisin, quand Jésus te parraine, ça n'échoue jamais. Moi, tu es calme comme ça. Tu es calme comme quelqu'un, tu vois, comme un grand, comme si tu ne travailles pas. Jefa. C'est ma nature. Pardon. C'est ta nature. Donc même quand tu vas toucher les milliards, tu seras toujours comme ça. Oui. Et tu vas toujours venir à l'église calme comme ça. Oui, papa. Tu ne vas pas nous dire que oh, cet endroit chauffe trop, ça chauffe trop. Non, papa. Bon, tu es déjà marié? Pas encore. Voici la partie là qui m'intéresse. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir la main de Dieu t'élever. Pendant que tu as détourné ton cœur des hommes pour placer sur le Seigneur, Jésus va te prouver que c'est lui seul qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et t'amener sur les hauteurs. On va te combattre fatigué, mais rien ne va te ralentir, rien ne va te freiner, rien ne va te stopper. Va, élève-toi, élève-toi, élève-toi et deviens le directeur général. Ah. Le premier qui dit Amen, tu prends contrôle. You take charge. You take charge. Ah!